Dieu veut que je meure. Ok. Cache-toi dans le sang. Cache-toi dans le sang. J'ai passé pour toi du péché détestable. Cache-toi dans le sang d'Ézéchiel. Et l'Éternel te disparu de nos cœurs.
Cache-toi dans le sang. La joie a disparu de nos cœurs. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Abandonnés. Vraiment abandonnés. Au toi, l'éternel, tu règnes à jamais. Les renards s'y promènent. Ton trône subsiste de génération en génération. Dieu se toile de larmes. La montagne de Sion est ravagée, et les renards s'y promènent. Ce voile de larmes. La nation est ravagée et les renards s'y promènent. Nous devons... Papa, à l'aide, devons... du feu. Nous devons nous la lampe s'est renversée. Non, je ne veux pas. S'il te plaît, d'accord, papa. Tiens-le, donne-moi le couteau. Oh, mon Dieu. Papa, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, oh. Trouvez Lynn. Il n'y a que ça qui compte. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est, rien de plus. Nous nous opposons à l'Antéchrist. Nous ne pouvons pas seulement suivre l'exemple de Jésus, nous devons être comme Dieu. Et maintenant, Dieu nous a envoyés. Lynn. Tombée du ciel, oh, comme merde. Un ombre belle. Enlevez son pavillon. Dieu, je te le demande, qui est cette étrangère venue parmi nous?
déjà révélé que ta langue ne servait à rien tant que mensonge. La vérité de Dieu est ici. Rejoins-nous. Dieu, j'impose les mains sur ce semblant de pécheur et te demande de révéler la vérité. Priez avec moi, mes enfants. Dieu, donne-moi ta voix. Dieu, guide ma main.
trouver Lynn. Y a que ça qui compte. Énorme. Une sorte de Vatican de taré. C'est énorme. Une sorte de Vatican de taré. Comment tout ça pouvait se trouver ici sans que personne ne sache? C'est pas possible.
Trouver Lynn. Y a que ça qui compte. Mon Dieu, Blake! Tu vas bien? Non! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Oh merde! Il faut partir! Hey! Lynn! Où est-ce qu'on va? N'importe où. Mais restons pas ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre. J'ai mal. Il y a quelque chose qui va pas. Merde! Je dois m'arrêter. J'ai juste besoin. Oh, mon Dieu! Bordel de merde, Lynn! Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. On va sortir d'ici, ok? Oh non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça... Je peux pas en parler. Lynn. Je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent. Ils arrivent. Notre foi a été confirmée. La femme venue du monde extérieur en ce jour a conflugué. A apporté les mondes partout. Nous avons tant attendu! Il trouve un enfant dans son ventre. Quoi? Je l'ai examiné moi-même. J'en sais rien. Il est fou. Ils sont tous tarés. Lynn? Je t'en prie. Blake, je veux juste quitter cet endroit. Est-ce que tu es enceinte? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Pas maintenant. Trouvez-les, mes enfants! Tuez-les! Quittons cet endroit. Je t'en supplie. Ok. Arrachez le diable de son ventre et écrasez-le sous vos talons! La révélation est à nos portes. Et comme les anges, nous ne devons montrer aucune pitié! Oh mon Dieu! Allez-vous-en! Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux! Dieu veut l'enfant! Non! Non! Dieu veut l'enfant! Tiens maintenant! Dieu veut l'enfant! Dieu veut l'enfant! Non! 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 Heretics! Heretics! Dieu sauve ton âme. J'ai regardé mon sperme.
Jésus est ton Dieu à mort. Merde! Merde! Lynn! Oui! Lynn! Tout va bien, petite. Oh mon Dieu, merde! Ramenez-la à la maison. Je vais partager mon amour avec le père. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Oui, mon amour. Ah. Petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer.
Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé, Jessica. C'est vous, pas vrai? L'étranger? L'œil de Mlot, ils vous ont tué, pas vrai? Non. Pas encore. Eh ben, ils le feront s'ils vous trouvent ici. Venez. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Je veux dire, êtes-vous l'un d'eux? Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques. J'ai rien dit quand ma femme a eu la dalle. On a dû la chasser. J'ai rien dit quand Nott s'est couché sur ma petite Annalie. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Mais quand il a voulu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. De s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Jinto. Quoi? Votre fille. Elle était enceinte de 8 mois. Des cheveux blonds coupés courts. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie,
Monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. Venez, vous feriez mieux d'entrer. Oh là. Vous vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Oui, ça va aller. Ils sont dans la cave. J'ai un lit en bas. Vous pouvez vous cacher jusqu'à ce que vous alliez mieux. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous. Fois. Si je savais où était l'étranger... Le prophète n'a pas besoin de toi pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le quitter. Tu as péché lorsque tu as refusé ta fille au prophète. Tu as péché depuis pour le nier. Où est l'étranger? C'est ce mensonge entre notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Anot. Je peux tout expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Ne bouge pas. Fais pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Chiton du diable. J'espère que t'as retrouvé ta fille.
Car nous sommes la douleur de celle qui enfante. De cette tonnelle qui passe les enfants de l'enfant, mais également la chambre de notre Seigneur. Car Dieu est grand et notre. Et notre nous rachètera de la puissance de ce jour. Notre nous délivrera de la mort, car même la délivrance ne peut être cachée de l'œil tranché. Nous sommes couverts de la gloire pourpre de la révélation. Éclat de verre. Oh.
l'ange dit. Lui-même doit aimer son père. S'il vous plaît, ayez pitié. Des hurlements.
bien y avoir un autre accès. Une église ? Ah non. Une sorte de temple hérétique. Il doit bien y avoir un moyen de retourner au village.